Ah, tu vois là, je l'ai. Il y a plein de voitures. Ah, les vannes là. Attends, il reste Camélia et Cyrine là. Arrête de mentir. Je te jure. Le groupe 2, il mange trop. Qu'est-ce que tu fais ici, Sylvain? Il n'y a pas d'entrée. T'entends pas? J'ai dit que j'étais enceinte, on va laisser rentrer. Une expérience sociale. Une expérience sociale, j'ai pissé comme d'hab. Oh là là. Elle est là. Ah, elle est là. Où ça? Elle est nue, elle va attraper la mort, la fille. Voilà, c'est la pire boîte. N'allez jamais au Gova. Jamais, jamais, jamais. 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 C'est l'histoire, genre. Ouais. C'est notre dernière soirée avec ce setup. Ah putain, demain on est lundi. Demain c'est le grand jour, guys. Un jour qu'on attend depuis. Ça arrive à quelle heure? Entre 10h et midi. Et là, la transition. Mais c'est que j'ai trop hâte, genre. Je vais avoir un cadavre. Pourquoi t'as un colis du Rex? Ça me dégoûte. Bah, c'est eux qui m'ont envoyé, c'est très bien. Vous voyez quoi? À chaque fois, je passe l'aspirateur, je retrouve toujours mes cheveux. My guy. Losing my hair. Guys, aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. Le grand jour tant attendu. Vous savez très bien, ça fait plus de 9 mois, I guess. Un peu plus de la moitié d'un an, ça c'est sûr, que j'ai emménagé dans cet appartement. Et ça fait depuis qu'on s'assoit sur le sol, tel des malpropres. En vrai, cette période, elle m'a permis de apprendre à apprécier mon appart d'une certaine manière, tu vois. Genre en mode, ce qui est trop bien, c'est que genre tout m'était pas dû dès le début. Genre je suis pas arrivé en mode genre palace. Je pensais trop que c'est comme ça que ça allait se passer, mais ça s'est pas passé de la sorte. Bref, donc du coup, ça m'a permis d'aimer cet appart dans ce mood-là, vraiment très sol et tout. Et là, je dis au revoir à une era, une première era de mon appart, alors que ça fait même pas un an que j'ai emménagé. Mais du coup, c'est trop cool parce que step by step, là aujourd'hui, c'est la grande mise à jour. Dans tous les cas, vous savez très bien, enfin, je me lasse tellement pas de mon appartement. Je l'aime trop, je suis trop bien dedans. Mais là, j'avoue que, genre limite, hier, j'étais hyper emo. Genre, j'étais en mode, je vais avoir mon canapé demain. C'est un gros moment, genre, on en parle avec tout le monde depuis le début que j'ai emménagé ici. On attend, parce qu'on a beaucoup galéré quand même. Il y a des fois, surtout l'hiver est rude. Bref. Donc voilà, l'appartement est fin prêt à accueillir ces deux nouveaux éléments. Parce que oui, il y a un canapé et il y a un fauteuil aussi qui va arriver. Je suis trop content, guys. Genre, pour taffer et tout, bah, j'étais toujours obligée de me poser sur mon lit. Et le lit, ça casse trop un truc, genre ça casse ta productivité, t'as pas envie de taffer et tout, enfin bref. Le canapé et le fauteuil qui vont arriver me sont offerts par Bobo Chic. Donc déjà, je les remercie infiniment, enfin, je vais les remercier quand j'aurai reçu parce que là, pour l'instant, y'a rien. Ce serait bien que celui-là trouve un appart, parce que ses affaires, elles prennent un peu de place. En fait, ça me dérangeait pas quand je vivais en mode Sarwell et tout, underground. Sauf que là, maintenant, je vais avoir mon canapé et mon fauteuil, donc... Sully, si tu vois IRL, n'oublie pas que j'ai encore des affaires à toi qui sont prêtes à bouger. Bon guys, j'ai reçu que le fauteuil. La livraison, elle était kata. Genre les livreurs ils étaient hyper désagréables, mais bon, c'est pas Bobo Chic, c'est ils passent par un prestataire qui s'appelle Vier et j'ai déjà passé par eux et ça a toujours été cata. Bon, il a l'air vulgaire. Non mais il est immense. C'était pas comme ça dans mes plans.
Pour moi, il allait faire cette taille, genre. Par contre, on s'enfonce bien. Il est tellement cosy. Oh là là, je l'ai attrapé en plein vol, celui-là. Waouh. Bah, on reprend ton vélo. Pourquoi? C'est fermé? Bah oui. Odette est toujours en travaux et ils sont en train d'utiliser leur nouvelle era. Attends, je vais aller voir. Nouvel album et tout, nouveau look et tout, c'est une dinguerie. Oh, ce repas en blanc et tout, je suis choquée. Mais ça se trouve, ils ont même pas de date de réouverture encore. On sait pas, ils sortent quand le premier single? Vous savez dans combien de temps ça sera ouvert, Odette? Vendredi, t'es sûr? Merci beaucoup. Je suis choquée. Où sont les choupettes? Les deux sous cette tasse qui sous cette aigle. Regardez-les. Les mauvaises. Bonjour. Ça va les amis? Oui, et toi? J'ai rêvé de toi, t'as pleuré dans mes bras et je te réconfortais. Ah? Mais c'était pas négatif, genre, c'est juste que t'étais à un stade de changement. Ouais. Et du coup, t'avais peur et tout, et tu pleurais, mais genre dans mes bras, genre comme un enfant, genre. T'as... Et du coup, je te On devrait t'arriver de ça? Oui. C'est dur de. C'est très synchro. Il est tellement confort. Intimité, je me réveille. Je suis choquée. Viens me faire un chocolat chaud. Non mais c'est trop une vibe en plus. Alix. C'est très iCarly. Non mais j'ai l'impression d'être trop confessionnelle. En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est une grosse chouin de merde. Elle m'a dit, si t'es pas capable de faire une figurante dans un kebab, tu rentres pas. Bah je lui dis, ok, y'a pas de soucis ma bête, tu vas pas rentrer en fait, tu vas pas rentrer, c'est mort. Et ensuite, Alix m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, nanana, je sais pas pour qui tu te prends et tout, tu fais trop la meuf, nanani, nanana. De quoi vous parlez? Ah. J'ai des pièces, guys. C'est bien, Joanne, t'as des pièces. J'ai des pièces. Et du coup, je savais pas, mais. C'est hyper utile. Genre, en gros, quand ils demandent des pays, tu peux genre donner ça. Tu peux donner des pièces. Et les gens, ils sont en mode, ok, c'est de l'argent. T'es pas obligé de sortir ton téléphone. Mais c'est trop bizarre de payer sans son téléphone. Mais non, Joanne, je te jure, les gens, ils faisaient comme ça. Là, il y a une petite place pour. Grave. Pour un petit peu. Alors, je suis posé, genre. Moi, je suis trop posé là. Génial. Même gris, je vais donner la marque. Waouh. C'est trop drôle. Ah, tu bois des candiums à la presse. Ah, mais c'est ça, il y a l'after Miu Miu. Ouais, mardi. Bah, vas-y. Vous mais sentez pas trop, là, en ce moment. Lord, on a grandi. You guys. Ça fait... ça a toujours été mon rêve de... Enfin, bonjour, je sais pas. Ça a toujours été mon rêve d'apprendre à maîtriser un logiciel de musique, tout simplement. Sauf que c'était un terrain inconnu, enfin pas inconnu parce que comme j'ai fait des sessions studio pour des chansons qui sont plus ou moins finies, etc., j'ai appris un petit peu sur le terrain et j'ai des notions dans le montage vidéo qui, même si c'est pas vraiment lié, peuvent me servir à juste apprivoiser un logiciel. Et récemment j'étais chargé Ableton, qui est genre le logiciel le plus trendy, I guess, en ce moment. Personne m'a appris genre le montage vidéo, j'ai juste appris sur le tas et j'ai essayé des choses jusqu'à que ça mène à des choses qui sont vraiment cool. Je vais faire les choses bien, je vais prendre le temps et tout. Soyez indulgents le jour où ça sort parce que... Enfin voilà, on verra. On verra. De toute façon, pour faire, il faut pas penser au résultat fini, il faut juste faire. Et donc c'est ce que je fais. Bon, je vais tenter. Je vais essayer d'enregistrer des trucs. Expérimenter.
J'avoue que j'ai eu un petit trauma d'enfance où quand j'ai compris que la musique, ça me passionnait vraiment et que j'ai pris mes premiers cours, que ce soit solfège, truc. Après ça, je pense que c'est tout le monde qui ont pris des cours de solfège. Mais ça m'a fait un trauma de voir la musique directement comme un truc hyper scolaire, hyper carré, strict, etc. Et pas juste genre faire des choses. C'était une façon de travailler qui m'allait pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui, en vrai, tu veux prendre des cours de musique plus à l'américaine, je pense, tu peux trouver. Mais à l'époque, il n'y avait pas internet et tout, et ma mère m'avait inscrit au conservatoire et ça m'a un peu cassé dans mon processus. Et là, en fait, je suis en train de retrouver mon Johan enfant qui finalement peut-être s'amuse enfin à aller dans ce truc qu'il a toujours rêvé de faire. Voilà. Elle a fait son choix. Le Bourgogne aligoté que je connais très bien. En bouteille, 35 euros. On fait moite-moite. Mais c'est le bonheur. C'est un bon marché. Déjà à pitcher celle-là. Grosse pute, c'est une grosse pute. C'est où à manger et à boire. À manger et à boire. Elle est trop drôle, Selena Gomez. Salut, nous sommes jeudi et aujourd'hui, j'ai une dure journée de labeur. J'ai une journée de recovery fashion week qu'Instagram a organisée et m'a invité. Donc voilà, vous avez bien vu, hein, j'ai une fashion week endiablée. J'ai fait tellement de shows, tellement d'after que je suis épuisée. Pas du tout. Et du coup, ils ont pris une suite dans un hôtel au Peninsula. Et dans cette suite, ils vont chuchoter plein de créateurs de contenu, massage, yoga, je sais pas. On m'a dit de prendre mon maillot de bain, donc ça va être très fun. J'ai très hâte en vrai. Donc j'y vais parce que je suis genre hyper late. Bonjour. Hein, Yaren? Tata. Je vais me changer, je vais mettre mon peignoir. Tata. Non mais c'est hilarant leur rouge, je peux pas. Mais non mais moi c'est pour ça que... Et le peignoir c'est ouf. Oh my god. Pourquoi tu fais chaud là? Un microbe sur pattes. J'entends bam 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 bam. On expire au port du périnée. Bloc. Aspire ton ventre. Mais tu es dead. Je suis shaké. Petit pousset, hein. Je l'ai ramené ici, yoga et tout, yoga. Abdos. Non, on a fait du stomac. Alex, il vient d'arriver, c'est hilarant. Non, il n'y aura pas de caméra. Oh putain, c'est là. Alex. Oh non. Arrête de mentir. Si. Oh là là. Ma vie. Au début, t'arrives, t'es dérouté, t'es en mode ça crie, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, tu t'y prends dans le ouais. T'es un peu en mode, oui. Ok, j'ai identifié les plats. À laquelle je m'y attendais. Les nuages et tout. Paris, comment ça va? Love Paris, love my fans. Love y'all. Ça, c'est un peu Gemini. Oh, la terrasse et tout. Mais en fait, c'est immense. Ah oui, ça fait la taille de la suite, quoi. Tu peux te faire bronzer. Oh, la tour Eiffel et tout. La tour Eiffel et tout là. Ouais, putain. Oh la langue. Tu viens d'où? Lyon. C'était incroyable. Le microbe a kiffé sa journée. Un microbe démicrobé. C'était trop bien. Et... Mais j'ai ramené Ali. Oui, bien sûr. Les petits comédiens.
Tu me les as volés. Non, c'est à Thomas. C'est à mon mec. Allô. Oh là là, Young. Ça va, mais toi, tu faisais quoi ce matin dans un hôtel de luxe comme ça, là? J'étais vraiment sugar. Tu aimes le luxe, toi? Journée recover, post-fashion week et tout. Sérieux, c'était ça la thématique? Ah non, c'est trop drôle ce que t'as fait sur ta porte, je suis obsesse. Mais pas vu? Non, tu peux? Ouais, bah oui. Oh waouh. J'ai pas fini. Je veux trop là, je veux trop faire les contours, regarde, ça va venir et tout. J'oublie à chaque fois que t'as écrit la vie dating avec Dua Lipa. Cause if you think I care about you now, but boy, I don't give a fuck. Y'a mon voisin en bas. I see you turning on your knees. Guys, je suis trop content. C'est un truc que, quand je suis en studio, c'est trop frustrant. C'est un truc où, genre, quand j'étais en studio. En fait, je suis juste trop excitée là, désolée. Je viens de trouver un truc que j'ai toujours voulu faire, que j'arrivais pas à expliquer en studio et que même en studio, bah, ça a jamais donné ce truc-là. Mais. Pas du tout. Oh my god guys, aujourd'hui on part à Berlin. J'ai jamais été à Berlin, mais ça m'a toujours attiré, la culture rave, techno in Berlin. C'est aussi une ville riche en histoire, affaires de séparation, tout ça. Il est déjà 8h45. Il faut que je parte à 10h, j'ai pas préparé mes affaires, pour ça ça va se rendre deux. Mais j'aimerais bien me raser et j'aurais aimé faire au moins genre mettre quelque chose sur mes ongles qui sont genre nus. En vrai, je crois mon vol il est genre à 13h et la fin du dépôt de bagages elle est à 12h25 et je suis à 25-30 minutes de l'aéroport. Ça va. Oh my god, j'avais oublié à quel point elle était trop belle ma vie. Non, franchement, pour une nuit, prendre une valise de cette taille, ça va, genre. Le AirTag, parce qu'on vous connaît Air France. Y'a pas à voler et perdre des bagages. On se rappelle tous de mon ami Sullivan Gouette qui a perdu sa valise en retour de Fashion Week, donc en rentrant de Milan. En plus, il rentrait pas du Bénin. Hein. Et il a perdu sa valise, hein, on lui a volé, carrément. Alors, on m'a dit... Rave culture. Alors, vraiment pour vibe, hein. Je pars une nuit, je vous rappelle. Genre, demain, je suis en train de partir de Berlin pour venir ici. Hein. Dis, Siri, quelle heure est-il? Il est 8h50. We're losing time, allez. Tu vas pas, voilà, tu vas pas me faire chier longtemps.
Alors, le bag, non mais il est génialissime et je crois que je vais le prendre directement avec moi dans l'avion. Il est trop chipax, genre. Know what I mean? Ouais, vraiment. Oh my god, je suis choquée. On devait repartir demain et demain, genre, tous les aéroports de Berlin, ils sont en grève. C'est hilarant. Jamais venu à Berlin et pourtant vous savez le tougher et le nighter que je suis et pourtant bah ça m'a toujours attiré mais je suis jamais venu. Du coup là je découvre, en plus il fait beau, on a un grand soleil, la ville est genre trop pas mal, genre elle est grande, propre et tout, et on est dans un hôtel qui est génial. Donc on est ici avec Mac qui m'a invité pour waouh, my god, look at this. Et donc on a reçu évidemment les deux petits rouges à lèvres. Maman. Sarah, elle habite à Berlin et c'est trop l'occasion qu'on se voit malheureusement. Donc je reste qu'une nuit. Donc je vais l'incruster à la soirée. On va retrouver Sarah et tout, je suis trop content. Oh my god, je suis sortie dans la ville pour aller acheter un chargeur et des cigarettes. Et c'était génial. J'ai adoré mon petit tour. Je pense qu'on est vraiment dans un très bon quartier de Berlin, là où on est. Les Allemands, ils sont trop beaux, maman chérie. J'ai acheté un chargeur. J'espère qu'il va charger vite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, guys, je suis enfin prêt pour la soirée. Donc le dress code, c'était genre cuir rouge, tout ça, comme je vous ai dit. Le pantalon qui va avec, mais j'ai trop la flemme de vous montrer. Ah si, attendez, vous allez voir comme ça. Vous voyez, shoes, Balenciaga. Voilà qui quid maintenant mon trépied. I wear Mac, oh my god. J'ai pas genre trop dead mon make-up. Genre je voulais faire genre rouge, noir, genre brillant, un peu grunge. Un peu délabré, un peu whatever. Je suis hyper en retard, genre ça fait 30 minutes que les gens ont commencé à dîner, donc j'y vais. Je suis grave un ouf, j'ai claqué la porte et j'ai oublié de mettre du mascara, alors que fin, c'est genre la touche finale. I wear Mac, Mac stack, j'ai une girl. Allez, on y va. Vous avez les girls. Moi aussi, je veux trop pêcher en allemand, genre, c'est trop mon rêve. C'est vrai? Les Allemands, ils sont trop beaux, les Allemands. Schlimmede Schlampa, Schlimmede Schlampa. Je veux dire, je t'aime, salope. C'est où les fers? Which one, this way? Hey, allô les gars, c'est là? Non putain, les jets. Là? J'ai trop hâte que Sarah l'arrive. Oh my god! Guys, je suis encore à la recherche de Gloomy Sarah dans Berlin. Je sais que je vais finir par la trouver.
Ah non. Ah ouais. Mais ça fait des années. Allô. J'ai retrouvé ça, je suis très content. Mais il y a elle. Le pouf, c'est oui, oui, mais là, c'est... Mais c'est où? On va mettre l'ambiance à Berlin, c'est en quoi fait, ça? Mais depuis mon rojo, ça va pas la tête. Mais oui, 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 oui. Faut prendre à boire. Ah, je vais tout casser. Mais qui va se gêner? Tu vas... Robert, allez. C'est parti, mon kiki. J'ai peur de tout casser, Joanne. Je vous ai dit, je vais retrouver Madame. Sarah. Sarah, la reine de Berlin, je l'ai retrouvée. Ah oui, oui. Madame, faites quoi ici, les poufs? Mais oui. Vous vous rendez compte, vous êtes à on Berlin, est ici avec genre. Mac Cosmetics. Et en fait, on cherche du feu, déjà. En fait, Berlin, c'est vraiment no man's land. On va n'importe où. Pourquoi tout le monde dit qu'ils ont pas de feu, bande de rats? C'est comme à Paris, tout le monde fume ici. Au pire, on prend le métro et je fume après. Oui, bon. Oh my god, thank you. Je crois que tu te rends pas compte, mais vraiment, ça me fait juste trop du bien d'être avec toi et de se balader dans la ville. D'avoir un premier pas ici, je te crois, ça fait trop du bien. Je vais revenir et on va faire les folles, genre. Il a dit... Écoutez bien, il a dit, il va revenir. Hein. Je vais revenir. Ah, affaire de métro. Oui, oui, oui. Je prends le métro d'Allemagne pour la première fois de ma vie. Il faut une première fois à tout. J'ai adopté un chat, il s'appelle Doja. En fait, on va lui dire bonjour parce que Meskin depuis il miaule. Vraiment, parfois je suis pas là, il est en mode. Le métro. Maman, notre train. Oui. Et tout ça. Oh là là. Mais qui a acheté ticket, qui a validé quoi? Ah, c'est vrai. Bon, j'en fous. Il y a pas ce qu'on répond pour la vie. Oui, oui. Ce sera vraiment comme ça. Gauche c'est où? Là-bas? Là-bas. Oui. Et la maille en 6. Mais oui, je t'ai dit. Madame, faut faire attention, pardon. Ici on est à New York. Les rues elles sont à mort croisées. Faut mettre le téléphone plus haut. Madame, c'est bon. Depuis il est en train de me dire que c'est pas cadré. Tu sais qu'on a plus les trottes à Paris nous. Oui. Y'a rien pour vous. Depuis on ride. Même c'est vibe hein. Mais est-ce que je suis pas suicidaire? Affaire de deux téléphones portables. C'est vrai que Sarah, elle a vu les 4 premiers épisodes de IRL avant que ça sorte. Les 4 premiers, oui, oui. J'étais là à l'écouter pendant qu'ils disaient je vais faire ça, je vais faire ça et tout. Je l'ai tellement forcé, j'ai dit tu vas regarder un dire... épisode, deux épisodes, oui, trois épisodes, quatre épisodes. Et puis en vrai, je suis trop fière de lui. Vas-y. Les gars, merci pour la force que vous lui apportez. Vous savez pas à quel point ça nous élève en fait dans la vie. Joanne, je pense qu'il vous le dit de temps à autre. Mais ma puce, il est vraiment grateful ça nous... de le temps. Joanne, on a des plans à gérer là. Filme pas nos conversations. Depuis tout à l'heure, ça parle de mecs. Dès le matin, je suis choquée. Vous êtes tellement en forme. Mais il Je viens de rentrer de Berlin, mais on devait rentrer en train aujourd'hui parce que les aéroports de Berlin faisaient tous grève. Et finalement, ça s'est trop bien passé. Il faisait beau, c'était calme. Ouais, j'ai passé 9 heures dans plusieurs trains, mais c'était pas désagréable. Genre, je sais pas comment vous expliquer, parce qu'en plus de ça, hier, j'ai passé une soirée de dingue où j'étais avec Sarah. Et donc c'était trop magique parce qu'on a pu trop rigoler et tout. Donc là je me repose un petit peu et je vais refaire mes affaires parce que demain je pars à Lille pour le festival Série Mania qui est un festival de séries. Et j'y vais avec Instagram, donc voilà, j'y vais juste pour une nuit. Je devais y aller pour deux nuits mais je rentre exprès parce que Paola, je sais pas si vous vous rappelez, mais Paola elle a fait son anniversaire depuis. Bah son anniversaire il n'est pas fini. Donc samedi soir on revient à Paris pour faire la fête avec tout le monde. Pour les 20 ans de Paola, cette fois-ci dans une grande salle avec beaucoup plus de monde. Enfin bref, ça va être iconique un peu. J'aime beaucoup la semaine dans laquelle je suis. J'ai besoin de souffler un peu. Oui, oui. Ouais, j'écris maintenant en me réveillant. Dès que je me réveille, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Pour vider mon cerveau, qu'on appelle cerveau logique. Comme ça, je commence ma journée, je suis en mode slay. Alors, j'ai jamais été à Série Mania.
Je suis content parce que je parle avec la team Insta et donc je les connais bien, je les aime bien. Enfin, je sais que Instagram, ils nous tweetent toujours très très bien. Donc ça, je me fais pas de soucis. En plus, on dort à l'hôtel Barrière et tout. Et j'espère que je vais rencontrer certains d'entre vous parce qu'à chaque fois que je vais à Lille, les Lillois, vous êtes trop chauds. Donc voilà. Je crois que je vais être extra et je vais reprendre ma valise. C'est vraiment pas pour faire la star, mais c'est juste que c'est plus simple. Même si je pars une nuit, je peux prendre plusieurs options de tenue, je peux prendre plusieurs paires de chaussures, je peux prendre mon trépied. Qui va se gêner? Bien arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait bon voyage, oui, depuis Berlin. Je suis à Lille désormais pour cette nouvelle aventure avec Instagram qui me convie à Cérémania. J'ai vraiment inventé un jingle. Ah oui, et donc ce soir, on assiste à la projection de la nouvelle série Netflix, Le problème à trois corps. Grave. Et donc à l'occasion, ils m'ont offert un Vision Pro. Merci beaucoup, merci, merci Netflix. De m'avoir offert ce Vision Pro. Oh my god. Oh putain, mais c'est tellement réaliste. C'est une dinguerie. Oh là, je suis dans la montagne. Oh là là. Oh my god. Waouh. 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 J'ai trop peur. Bon, assez tergiversé, je vais commencer à me préparer parce que je fais trop la meuf. J'ai pris mon temps pour manger. Je suis trop chill. C'est ça mon problème, donc je vais me préparer maintenant. Ma chambre, elle est spacieuse, elle est trop bien. Ok. On va y arriver. On a aussi une soirée, donc on a un dîner après la projection à 22h, puis on a une soirée avec Combini. Donc voilà. Oh, le bordel déjà. En même temps, c'est fait pour ça, une chambre d'hôtel. C'est elle. Je suis une cata en fait. Enfin, le métier de créateur de contenu, il est pas trop fait pour moi en vrai. C'est Paradise, on n'a même pas fait le point. On a tellement de trucs à débrief. J'ai pris mon sandwich au saumon, je l'ai d'abord. Moi j'ai mangé en bas, ma chambre était pas prête et tout. Donc j'ai dû manger en bas. T'as attendu vraiment 20 minutes ou genre. Genre 1000 ans. Mais je crois que c'est la combien? Ça me rappelle. On vient de marcher sur le tapis, c'était trop bien, on vient de faire les petites photos. Regardez comment c'est huge. Une compétition pour les gars. On vient faire adopter une nouvelle loi avec Yussi. Guys, on dirait pas l'Assemblée nationale. Tout au bout, ce sera vraiment sur la gauche. Ok, ça va. Où ça? Wow. On sort de la projection, c'était hyper phasant, hyper intriguant. C'est une série qui y a plusieurs histoires en même temps, t'as envie de relier tous les points, il y a des trucs hyper actuels, hyper futuristes et en même temps une histoire dans le passé avec genre des lois de l'univers, donc ça me parle grave. J'étais un peu déçu visuellement, mais les acteurs étaient trop slay, voilà. Voilà ma critique. L'alcool, les petits fours, tu vois. Là, on est pile dans le mille. French fans. Sure.
la vie de ta mère, j'ai pas pris de couvre-chef. Jure la vie de ta mère, si j'ai pas un couvre-chef, un couvre-chef dans ma valise, je suis trop une pute. Bah, regardez ça. Non. Non. I got a father and I'm sorry. Don't you know I'm never sorry. When it's on my mind, when it's my turn to sunshine, so I run in my mind. And what do you want me to do about it? Ah, putain, guys, je vais être super late. Le. Mais comment il faut pour connecter des télés comme ça? Non, mais oh my god! Ça va? Ça va et toi? Bonsoir! Oui. Bonsoir! Bonjour! Ah. Ça va? La c'est un bon moment, elle a changé. Elle est hilarante! Ouais, bah voilà, elle prend c'est son mariage! Ou qu'il a la bâche! Elle se marie avec elle! T'as bien appris des gays et des sucettes. Non, mais gays, là, là. Soyez un gays. Juste sort, vous êtes ouais, vraiment, là. Mais ça y est, c'est fini, elle est dans la cour ouais, des. Un mot. Opulence. Opulence. Ouais, ouais.
connaître. Oh. Il n'a même pas là. Il a même pas mis une musique de Dua Lipa. Il a mis One Kiss. J'ai l'impression que dès qu'on est avec la fabuleuse, en fait, c'est tellement rare qu'on partage des moments ensemble, genre à 15. Dès qu'on est ensemble, on veut continuer la fête. Bah oui, c'est tellement rare, enfin, ça nous manque. Genre, on a là, plus de lieu pour se rassembler. Je suis fatigué, genre. On est fatigué. Je sais pas. Je trouve plus. C'est bon, c'est fini. Ah, hein. C'est fini, hein. Quoi? C'est fini. Hein. On y va, on va chez Moon. Est-ce que t'as kiffé ou pas? On va chez Moon là, c'est pas fini encore. J'aurais l'impression de n'avoir pas pris le bon chemin.